Jorami more de luxera a sarma dei farum el zaro surumi mora ivalazo basurami dora ifimeraim es previdei in seragal seraso ansaram varu velazo. Chacha James, bonjour, bonjour à Christelle Ndi. Bonjour à Esther, Déborah, que Dieu bénisse. Voilà, la seule qui m'appelle apôtre, ah, c'est bien ça, l'apôtre est Canet Ferdinand. Bonjour à Christelle Ndi. Voilà, bonjour à vous, Christelle, bonjour. À Laurent Joy, Joie ou Joy, voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à Siki Bruno, bonjour à tous ceux qui sont en train de s'abonner ce matin et de se connecter aussi en direct. Bonjour à, voilà, Esther Otou, bonjour. Léon Ouedraogo, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais juste prier avec toi ce matin, en finir avec l'esprit d'échec avant 2023. Narcisse de Saron, bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Excellence Placide, Loupoulou, Baudric. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Christian Kayouya. Bonne année déjà. Nous sommes en train de préparer déjà l'année 2023. On n'attend pas. On n'attend pas, mes amis. Nous sommes en train de travailler sérieusement pour que 2023 soit une année excellente pour chacun d'entre vous. Ça, c'est ma prière devant le Seigneur. Je sais que mon Dieu m'exaucera à ton sujet. Donc, connectons-nous massivement, partageons la vidéo. Et je voudrais parler de en finir avec l'esprit d'échec. Ah, qui est fatigué? Et j'aimerais que chacun nous donne. Donne-moi ton bilan. Donne-moi ton bilan. Quel est ton bilan? 2022, quel est ton bilan? Quel est ton bilan? Le mois de décembre, ce sera le mois des bilans. Ça veut dire... Tout au long du mois de décembre, on va travailler sur le bilan. Mais si tu fais le bilan de ta vie ce matin, quel est le bilan? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Donc, on doit travailler là-dessus. Que Dieu te bénisse. Voilà, depuis Amérique latine, là, c'est Jonathan. Merci Jonathan, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Il faut rappeler en passant, pendant que nos frères et soeurs sont en train de se connecter, que je suis dans la ville de Douala pour 3 jours de restitution. Connaître Dieu comme étant le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui peut nous aider à retrouver ce que nous avons perdu. Vous voyez, j'ai lu un commentaire hier, pendant mon culte, lorsque j'ai prêché sur les prophéties volées. On va revenir là-dessus, mes amis. J'ai eu à dire à quelqu'un qu'en ce qui concerne les saintes écritures, lorsque tu veux remettre en cause mon enseignement, il faut bien te préparer. Il faut bien te préparer. C'est pas, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont basés sur la tradition orale. La tradition orale. C'est quoi la tradition orale? Ça veut dire que les gens ne lisent pas la Bible, mais leur enseignement, leurs interventions au sein des Écritures. C'est quoi comme ça? Vous voyez? Donc, c'est par rapport aux Juifs, leur enseignement. Ou bien leur connaissance, la Bible n'est pas basée sur la connaissance qu'ils ont parce qu'ils ont fouillé dans les Écritures, ils ont sondé les Écritures, mais à cause des Juifs, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, etc. Donc vraiment, si tu attends une année bénie, sois connecté ce matin, partage la vidéo, au moins à 10 personnes, à 10 groupes, partage cette vidéo. Si tu aimes quelqu'un, partage la vidéo avec la personne. Nous allons prier pour la personne, pour toi et pour la personne, et Dieu va se glorifier. Vous savez, la fin... d'année-ci et surtout ce mois de novembre est un mois où Dieu est en train de manifester des grands signes au milieu de nous. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. Hier encore, à l'église, il y a une maman qui est venue de Fumban avec sa fille qui était paralysée. Non seulement elle a reçu la prophétie, mais en même temps, sa fille paralysée a été guérie comme étant un signe de la prophétie qu'elle a reçue. Parce que le Seigneur m'a dit que cette prophétie va s'accomplir. Et le signe qu'elle s'accomplira, c'est que l'enfant paralysé va marcher. Et c'est ce qui est arrivé hier. Nous avons vu tous cet enfant venu paralysé marcher devant des milliers et des milliers de personnes. Cela, ça image
Ça image un peu ce qui va arriver à plusieurs en cette fin d'année. Ça veut dire que tu ne dois pas entrer en 2023 avec les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes malédictions, etc. S'il vous plaît, envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs. Je ne vois aucun cœur. Vraiment. Envoyons les cœurs. Je veux voir les cœurs et les pouces bleus pour que notre direct puisse être recommandé. Envoyons les cœurs et les pouces bleus, je vous en prie. Je ne vois aucun cœur là, même pas un seul cœur. Même pas un seul cœur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, voilà les cœurs et les pouces bleus qui ont commencé. Donc, si tu es connecté en direct, envoie simplement les cœurs et les pouces bleus. Ça nous aide, ça aide à recommander la plateforme à Facebook en sorte que même ceux qui signalent la vidéo n'auront plus de pouvoir sur nous. Voilà, la Bible dit, si boivent quelques breuvages mortels, ne leur feront aucun mal. Donc, envoie les cœurs et les pouces bleus. Simplement, tu envoies comme ça. Donc, il y a des choses terribles qui sont en train de se passer. Avant-hier, dimanche, il y a une maman qui est venue de plein ticard. Elle a reçu la prophétie et sa fille a été délivrée. Et elles sont venues et il y a un papa qui s'est joint à eux, qui avait le genou détaché complètement. Mais après la prière, son genou a été recollé sur place en direct et il a marché devant tout le monde. Ça montre que le Seigneur Jésus-Christ a décidé que tu n'entreras pas avec les limitations, les malédictions, les maladies de 2022 en 2023. Mais tout dépend de toi. Envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs. Donc, quand vous regardez avec un esprit attentif, même à Yaoundé, même à Bertois, alors, c'était terrible. Et je vais retourner à Bertois le mois prochain, dans quelques semaines. Je serai à Bertois pour la bonne année, préparer les gens pour le grand culte du 25 décembre à Yaoundé. Quand vous regardez ce qui se passe à Bertois, des aveugles l'ont vu. Les yeux des aveugles se sont ouverts. Des paralytiques ont marché. Une maman est venue paralysée, sa fille paralysée et sa mère paralysée à Garoua. Mais à la parole d'un prophète, elle a été guérie au nom de Jésus-Christ. Et sa maman a été guérie à la même heure, au même instant où cette femme recevait sa délivrance dans le stade du Sénagès, qui était plein. Des milliers et des milliers de gens se sont rassemblés. Décembre, ça sera redoutable à Bertois. Ça sera le dernier tour. J'ai fait un dernier tour rapide. Donc, vous voyez, et voilà pourquoi j'ai dit aux habitants de Douala, et tant dans cette ville, et si tu manques au culte de ce soir, parce qu'il me reste 2 jours dans la ville de Douala, ce mardi et mercredi, tous les soirs à partir de 17h. Vraiment, si tu manques, c'est que c'est terrible. D'hier, j'ai vu les gens pleurer. Lorsque cet enfant a dit, je veux marcher comme tout le monde, comme les enfants de mon âge, elle s'est mise à pleurer. J'ai senti mon cœur être déchiré. Mon cœur s'est déchiré à l'intérieur de moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cet enfant ne peut pas retourner comme elle est venue. Et j'ai entendu clairement la voix du Seigneur me dire, je l'ai guérie et elle est libérée. C'est où j'ai porté l'enfant, je l'ai mise au sol et l'enfant a marché. Et l'église, les gens quittaient leurs chaises pour venir voir ce que le Saint-Esprit avait accompli pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que ceci doit interpeller chacun d'entre nous. Ne reste pas à la maison. Tu peux venir à l'église, tu te déplaces, viens avec tes enfants et recevez la bénédiction qui changera votre vie et qui bénira votre année 2023. Mes amis, les cœurs et les pouces bleus, avant de prophétiser sur ton année 2023, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une prophétie pour son année 2023? Je veux les pouces bleus, s'il vous plaît, les cœurs. Envoyez-moi les cœurs et les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Laisse Dieu agir en ta faveur ce matin. Oh Seigneur, ça c'est beau ça. Donc ce soir, les habitants de Douala, you are blessed. You are blessed. Si tu es à Douala, tu ne viens pas en Dobon, derrière l'immeuble Kamelé. Parce que l'église est en Dobon, derrière l'immeuble Kamelé. La prophétie, mes amis, on ne négocie pas avec quelqu'un. C'est un don que Dieu m'a donné. C'est une promesse que je m'avais faite. Et je vais dire à l'Europe, j'arrive. On a beaucoup d'enfants qui viennent de la diaspora en cette fin d'année. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prie pour la sécurité pendant votre voyage. Une grande délégation. Il y a au moins une trentaine de personnes maintenant qui viennent. Et il y a des gens qui s'ajoutent tous les jours. De tous les pays, d'Europe, d'Asie, partout, d'Amérique latine, d'Afrique. Les gens viennent de partout pour bénéficier en cette fin d'année du pèlerinage, le bienfait du pèlerinage. Lorsque vous me voyez, vous savez, il y a beaucoup de personnes, d'hommes de Dieu, dans leurs églises et d'enfants de Dieu même, qui sont convaincus que moi je suis un sorcier. Parce qu'ils disent non, la manière dont cet homme avance, ce n'est pas normal, c'est pas normal. Mais ce n'est pas normal, qui vous a dit? C'est même quel avancement? Ça n'a même pas encore commencé. Les choses que Dieu fait à travers moi, en réalité, sont la dîme de l'onction, même de l'héritage que le Seigneur m'a donné.
Il y a des visions que j'ai vues sur mon ministère qui n'ont même pas encore commencé à s'accomplir. Donc, ce que vous voyez là, c'est rien. Mais je veux vous dire une chose, mes amis. Le succès avec Dieu, c'est une histoire d'alliance et de compréhension de la vérité. On n'a pas besoin de la sorcellerie là-dedans. Parce qu'aucun sorcier ne peut réaliser ce que nous faisons. Là, vous allez avec quel sorcier avoir la prospérité que j'ai, ou le succès que j'ai, ou les victoires que j'ai dans les batailles de l'Éternel. Quel sorcier? Les sorciers, mes amis, nous confondent aux sorciers, c'est nous insulter. C'est m'insulter. C'est rabaisser le travail que je fais, c'est rabaisser le Dieu que je sers. Le sorcier, c'est qui? On s'en fout. On sait, on n'est même pas au courant que les sorciers existent. C'est pour ça que nous délivrons des milliers de gens par la parole de l'Éternel. Les sorciers vous empaquettent, ils vous embrigadent, ils vous encadenassent. Mais nous, par la parole de l'Éternel, une seule parole, on prophétise. Ton année 2023 est libérée des chaînes de la servitude à la sorcellerie, des incantations de la sorcellerie, des imprécations de la sorcellerie. Et tu es libre. Et vous me comparez à un sorcier, mes amis. C'est quoi le sorcier? On s'en fout. Nous délivrons les familles des emprises de la sorcellerie. Nous proclamons la puissance de Dieu agit aux yeux de tout le monde. Cette maman a dit qu'elle avait la chair de poule. Lorsque la parole de la prophétie lui a révélé des choses qu'elle a faites dans le secret avec son ami, et elle ne savait pas que son ami l'a amené chez un marabout pour briser sa vie. Elle ne le savait pas. Mais il a fallu qu'elle rencontrât un prophète qui lui révéla les choses qui se sont passées dans le secret. Donner le nom de son ami, le nom de sa fille avec qui elle est allée voir le marabout, le nom du marabout. Mes amis, ce n'est pas les jeux. On n'est pas en train de jouer. Nous sommes en train de préparer 2023. Maintenant, vous voyez le cas du pèlerinage. On dit aux chrétiens, tu es un chrétien, tu dis que tu aimes Dieu. On parle du pèlerinage. On t'explique que du 6 au 10 décembre, nous, on sera sur la montagne pour préparer 2023. Et tu ne viens pas. Tu ne prends pas ton badge. Les badges sont là. Ça finit, je vous dis la vérité. On ne va plus produire les badges. On ne produit plus. Mais si c'est avec une personne, je vais aller en pèlerinage, on revient. C'est sur cette montagne que ma vie a changé. Normalement, tu devrais désirer connaître le sommet de cette montagne. Et c'est sur cette montagne-là, sur cette montagne, beaucoup de mes fils, en tant qu'hommes de Dieu, qui ont participé au pèlerinage, leur ministère ont changé à jamais. D'autres ont disparu parce qu'ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Je ne leur en veux pas. L'homme, c'est un peu ça. Je ne vous en veux pas. Tout ce que je veux, c'est que tu sois béni, que tu réussisses, que Dieu ferme la bouche de tes ennemis. Donc, un chrétien qui réfléchit allait dire, la grâce qui est dans la vie de l'homme-ci, je ne peux pas laisser. Je veux aussi aller voir la montagne-là. J'irai rencontrer son Dieu au sommet de cette montagne. Et puis, tu voyages. Et j'ai dit, ceux qui ont pris leur billet d'avion déjà pour venir au Cameroun, pour le pèlerinage au sommet du Mont Kolafamba, mais ce sont des gens sages. Ils sont sages, mes amis. Ils sont sages. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose que peut-être, toi qui es même au Cameroun, tu n'as pas compris. Et toi tu diras, non, je suis à Bafoussam, c'est loin. Je suis à Bamenda, je suis à Maroua. Non, c'est trop loin, sinon je venais. Si je n'étais pas à Maroua, je viendrais. Les gens vont quitter la France, vont quitter les États-Unis, l'Angleterre, le Congo, le Togo, l'Afrique du Sud, l'Amérique latine, pour venir au Cameroun, juste prendre ce qui est à côté de toi, que tu peux payer 10 000 francs de Garo à Yaoundé. Les gens vont payer, dépenser des millions. D'autres ont dit qu'ils vont rester pendant un mois. Un mois. On est en train de leur prendre des meublés, des appartements meublés. Un mois. Et vous, vous êtes au Cameroun, tu es à Douala, tu dis non, c'est loin, je suis occupé. Reste occupé. 2023, on verra qui est qui. 2023, ne viens pas pleurer devant moi. Parce que la première question que je te demanderai, est-ce que tu étais au pèlerinage? C'est d'abord ça. C'est ça la réalité. Le sage ferme sa boutique. Le sage demande la permission dans son lieu de travail dès maintenant. Le sage prépare déjà. On n'entre pas n'importe comment dans une année, mes amis. Combien de fois vais-je vous enseigner la même chose? L'entrée dans une année se prépare avant d'entrer dans cette année. Je vous ai expliqué que si tu veux mener une belle vie en journée, tu vas avoir des exploits en journée, tu ne dois pas dormir la nuit. Tu dois prier la nuit. Tu dois prier dans la nuit et tu posséderas ta journée. Mais celui qui dort la nuit, la journée sera contrôlée par Satan. Elle sera contrôlée par l'opposition, elle sera contrôlée par des démons. Tu ne contrôleras rien dans les événements de ta journée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris contrôle sur les forces maléfiques qui pouvaient prendre en otage ta journée pendant la nuit. Tu as dormi toute la nuit. Voilà, nous avons Manik, Lorna, l'île Maurice. Vous bénisse, prophète. Amen. Je viendrai à l'île Maurice par la grâce de Dieu. S'il plaît à Dieu. L'année prochaine, c'est l'année des voyages à l'étranger. Je serai en France
par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on va d'abord voir avec le problème que j'avais avec Poutine, avec la coupure de gaz, dont j'ai annulé les voyages cette année, juste pour voir comment l'hiver allait être géré là-bas. Donc je préfère venir à une période où voilà, il n'y a pas de problème de froid et tout ça, parce que je suis très allergique au froid. Donc que Dieu vous bénisse. Où sont passés mes habits là? Vous êtes où? Je ne vois pas les pouces bleus. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces bleus. Donc je vais prier. Et la parole des prophètes, mes amis, elle est redoutable. La parole des prophètes, il faut que tu comprennes cela. La parole des prophètes, il suffit simplement qu'on te dise, sois béni. Vous vous souvenez, même les prophètes en retraite, les prophètes retraités, leur parole est puissante. Vous vous souvenez que lorsque le souverain sacrificateur Élie a rencontré la mère de Samuel, Anne, de Silo, à Silo, qu'est-ce qui s'est passé? La femme était stérile et l'homme de Dieu avait des problèmes dans son ministère avec son Dieu parce qu'il avait couvert le péché de ses enfants. C'est pour ça que je suis rigoureux dans le ministère. Je suis très rigoureux. Comme j'ai dit hier à l'église, tu peux t'amuser avec ce qui me concerne, mais pas ce qui concerne mon Dieu. Pas ce qui concerne le ministère. Là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien en ce qui concerne le ministère parce que un homme de Dieu peut aller en enfer à cause du favoritisme. C'est ça le mot, le favoritisme. Mes amis, l'église ne se gère pas avec le favoritisme. Il n'y a pas que la mère ou le père ou la sœur. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de favoritisme. Hier, j'étais en train de ministère, j'ai vu ma petite sœur, elle était au téléphone, elle était sur son téléphone. Je lui ai demandé en patois, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone pendant que je prêche? Heureusement, c'est ma mère qui lui avait demandé de mettre le culte en direct. Si elle était dans les messages, j'allais lui faire, lui demander de sortir de l'église. Non, non, il n'y a pas de petite sœur. Non, non, il n'y a pas de famille. Le ministère, il n'y a pas de famille. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur, il est mort. Son ministère a pris fin à cause des gens. Parce qu'il s'amusait avec sa famille. Il méprisait Dieu au détriment de sa famille. Au lieu de parler Dieu à ses fils, de les excommunier, les chasser de l'église. Les couper du sacerdoce. Il leur a dit, oh non, mes enfants, ce que vous faites n'est pas bien. Les gars couchaient avec les femmes à l'hôtel. Ils profanaient l'offrande. Et Dieu se sentait offensé. Au lieu que son serviteur prenne des mesures rigides, rigoureuses, drastiques, draconiennes, pour montrer à Dieu qu'il est un bon leader, un leader ferme. Mes amis, le ministère demande et requiert la fermeté, savoir faire les choses, la part des choses, prendre les bonnes décisions au bon moment, savoir être ferme quand il faut être ferme et être doux quand il faut être doux. Quand tu confonds les choses, là, tu es fini. Tu es complètement fini. Ta famille peut t'amener en enfer. Beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai beaucoup de mes enfants, j'ai un de mes fils dans mon quartier actuel. Il avait une grande église, mais sa famille a détruit son église. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que c'est une société familiale. C'est géré par la famille. Sa grand-sœur se lève, elle insulte les gens à l'église. Son papa se lève, il parle n'importe comment. Son frère se lève, il gifle une brebis. Il lui dit, ça c'est l'église de mon frère, etc. Et il ne fait rien. Mon ami, je te chasse, je te bannis de l'église. Même si tu es mon frère, même si tu es ma sœur, je te bannis de l'église. Parce que l'église n'est pas la maison de ton père ou la maison de ta mère. Ce n'est pas l'appartenance de la famille. Donc l'église n'est pas mon appartenance. Jésus a dit, « En taute te petra oikodomes mouten ecclesia. Kai poulaï adou katiskousousin aoutes. » Il dit, « En taute te petra oikodomes mouten ecclesia. » Mouten ecclesia. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Mon église. Mon église. Ce n'est pas l'église de ton père ou de ta mère ou bien de toi. Ou toi-même. Non, mes amis. Non, je ne joue pas avec le ministère. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Mais s'il faut faire un carnage pour l'œuvre de l'Éternel, voilà ce que la Bible dit. Si tu épargnes ton épée, c'est-à-dire que tu dérobes ton épée du carnage pour le ministère, tu vas mourir. Non, ton épée doit être pleine de sang dans le ministère. Il doit être plein de sang. Tant que ton épée n'a pas fait de carnage, ça veut dire que ton ministère, tu n'es pas en train de guerroyer les guerres de l'Éternel. Comme le disent les Hébreux, Naphtali Elohim Niftalti, j'ai combattu les guerres de l'Elohim. Ton épée doit être pleine de sang, de victimes. C'est le langage spirituel pour les gens spirituels, comme la Bible dit de tuer l'Amalécite. Tu dois tuer les Amalécites dans ton ministère. Tu dois verser le sang.
Quand je parle de verset de sang, hein, c'est dans le cadre de ministère, il faut bien comprendre. Il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Le carnage ici, c'est savoir prendre des décisions difficiles, même envers des personnes avec qui tu avais des affinités. Mais tu prends une décision difficile, tu chasses même quelqu'un de l'église, même s'il le faut. L'apôtre Paul a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il ne dit pas de l'excommunier. Mais vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 1, il y a un frère qui a couché avec la femme de son père. L'apôtre Paul a dit qu'on l'excommunie. C'est ça. Tu ne dois pas éloigner ton épée du carnage. Prends les décisions, frappe où il faut frapper. Ne regarde pas la face de quelqu'un, frappe! Ne vois pas que c'est ta mère ou ton père ou ton ami ou bien que c'est quelqu'un qui soutient l'église. Quand il faut frapper, quand Dieu te dit frappe, frappe. Ça, c'est les qualités d'un bon leader. Frappe! N'épargne pas. Ton épée ne doit pas être éloignée du carnage. Non. Deux choses. Évite de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, n'épargne pas ton épée du carnage. Parce que c'est la malédiction. Il dit, maudit soit celui qui épargne son épée du carnage. Tu dois frapper quand Dieu te demande de frapper. Il y a des gens, des décisions que je prends. J'ai mal dans mon cœur. J'ai mal. Mais je dois prendre la décision. Parce que si je ne prends pas cette décision, Dieu prendra une décision sur ma tête qui va prendre ma tête et prendre la tête de la personne qui a mal agi. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible parle d'un frère qui a couché avec la femme, c'est-à-dire la femme de son père, pas sa mère, mais certainement il avait pris, son papa avait pris une jeune femme. Et donc, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, dans sa lettre, va demander aux Corinthiens de relever ce frère, de le relever, de peur que Satan ne le tente, de ne pas laisser trop durer sa punition. Il sera relevé. Il a commis un adultère. Il a été puni et après on l'a relevé. Il est revenu dans de bonnes grâces et il a repris l'œuvre de Dieu. Mais en ce qui concerne les méchants, ça c'est la catégorie, c'est une autre catégorie. L'apôtre Paul ne dit pas de les excommunier. Il dit, tu ôteras le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Arrachez. Il y a des gens, tu le chasses de l'église une fois. Chasse-le, qu'il parte. Parce que si tu ne le chasses pas, Dieu vous chassera à deux. Tu ne prends pas la décision. Moïse n'est pas entré à Canaan, pas parce que Dieu est menteur. Dieu a donné la prophétie. Dieu lui a dit qu'il doit prendre le peuple de l'Égypte pour Canaan. Voilà la destination finale, l'Égypte pour Canaan. Mais en cours de route, il se retrouve de l'Égypte pour le mont Nebo. Pour le mont Nebo. Pour qui? Le peuple. Il est allé, beaucoup d'hommes de Dieu iront en enfer à cause de leur propre famille, leurs femmes, leurs enfants. Parce que tu ne peux pas punir les gens à l'église, mais tes enfants, tu les épargnes. Tu peux punir n'importe quelle femme dans l'église, mais quand c'est ta propre femme, tu l'épargnes. Non, ta femme n'est pas une brebis exceptionnelle. Tes enfants ne sont pas des brebis spéciales. C'est-à-dire que ta femme, tes enfants sont des brebis au même titre que les bien-aimés qui viennent à l'église. Ta femme agit mal, tu frappes. Et à la mesure, et à la hauteur du mal, hein, il faut comprendre ça, à la hauteur du mal. Parce que les punitions sont proportionnelles à l'erreur, à la faute, au péché. Parce qu'un berger qui ne châtie pas ses brebis, Dieu interviendra. Et généralement, quand Dieu intervient, il ramasse le berger et la brebis, il les met dans le même panier. Voyez. Donc, Dieu a dit à Moïse, ok, tu as douté. Parce que le peuple le pressait. À cause de la colère que le peuple a causée en lui, il a commis une erreur et il est parti. Hein. Personne dans le peuple n'est allé avec lui. Personne n'a dit, oh, je veux mourir avec Moïse. Moïse, c'est toi qui nous as sortis de l'Égypte. Maintenant que tu pars au mont Nebo, nous renonçons à Canaan. Si le peuple se tenait devant Dieu pour dire à Dieu, nous ne bougeons pas ici, nous voulons mourir ici. Si tu ne libères pas notre pasteur, si tu ne changes pas la sentence, du mont Nebo sur Moïse. Seigneur, nous voici, on va mourir ici. Et il crie, pleure. Et Seigneur, on va mourir ici. On ne peut pas laisser. Moïse ne doit pas partir sur le mont Nebo. Moïse a sacrifié sa vie pour nous. Il a abandonné sa femme. Il a abandonné ses enfants pour nous. Parce que vous savez qu'en fait, Moïse avait abandonné sa femme chez Jéthro, son beau-père. C'est Jéthro qui ramène la femme de Moïse. Pour lui dire que, grand, voici ta femme. Elle n'est pas ta femme pour que je la garde. Reprends ta femme et reprends ton fils Gershom. Mais lorsque Dieu a châtié Moïse à cause du péché du peuple et qu'il a changé sa parole
Parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. La prophétie, c'était Canaan. Mais maintenant, c'est devenu Nebo. La prophétie ne s'est pas accomplie. Personne dans le peuple n'a dit que Seigneur, ils ont pris le jeûne. Hein? Personne n'a pris le jeûne. Avec le sac et la cendre et le sable versé sur la tête. Pour dire à Dieu, non, Seigneur, ne le laisse pas. On ne peut pas entrer à Canaan sans voyer, Seigneur. Pardon, pardon, Seigneur. Annule la sentence sur ton serviteur, sur notre pasteur. Eh, eh. Ils l'ont aidé à faire son sac. C'est même celui qui lui disait que papa, il est déjà 8 heures. Il faut déjà voyager, il faut partir. Parce que nous, le chemin est encore long. Nous et nos enfants, on veut déjà la Canaan. Donc c'est sûr que quand Moïse partait, il s'est retourné. Le peuple disait, bye bye. Bye bye, t'as pas fini. Vas-y, on va prendre notre pasteur. Et c'est ça le ministère, le vœu de Dieu. Les gens pour qui tu meurs aujourd'hui, demain, ne seront pas capables de mourir pour toi lorsque tu seras en train de mourir. Mais s'il y a une possibilité de te sauver et qu'ils demandent de sacrifier leur vie, ils ne sacrifieront pas leur vie comme toi tu sacrifies leur vie, ta vie pour eux. C'est ça la vérité. Si le peuple avait signé, l'Indien pleurait, dit à Dieu qu'on renonce à Canaan, tue-nous tous ici. Nous voulons notre pasteur. Comme Moïse, plusieurs fois, avait intercédé pour le peuple. Il a dit à Dieu, tue-moi et donne la vie à ton peuple. Le peuple n'a pas dit, quand le malheur a frappé Moïse, que Seigneur, tue-nous et laisse Moïse et sa famille. Dieu a même dit une fois à Moïse que le peuple s'est tellement rebelle, je vais les tuer tous. Mais je vais multiplier ta famille avec ta femme. Vous aurez beaucoup d'enfants et je vais refaire un deuxième peuple d'Israël. Et ton peuple, ta famille sera grande et ce peuple-là ira à Canaan. Moïse a dit à Dieu, non Seigneur, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Seigneur, je préfère mourir à la place de ce peuple. Je ne peux pas accepter que tu tues ce peuple pour ma famille. Mais lorsque le tour de Moïse est arrivé à cause d'eux, qui s'est tenu pour dire à Dieu que, oh non, même pas Aaron, même pas les gens qui lui étaient proches, personne ne s'est mis à la brèche pour dire à Dieu, non Seigneur, il ne peut pas aller à Nebo. Ce n'est pas ce qui était prévu. Cet homme a tellement tout sacrifié pour nous, même sa propre vie, sa propre famille. Il n'a plus d'existence ni de vie, il ne fait plus aucun cas de sa vie. C'est pour nous que cet homme-ci est en train d'être puni. Seigneur, tue-nous. Seigneur, tue-nous. Non. Non. Au contraire, c'est sûr qu'on le pressait que, pardon, papa, fais vite. Non, on est fatigué, restez sur place ici. Ouais, my God, non. Pas, non, papa Moïse. Pas. Ça va, papa. On est de tout cœur avec toi. On est ensemble. Hein. Pas, Moïse, ne t'en fais pas. On va prier pour toi. On va prier. Va seulement. Oui, vas-y. Bye. Les gens étaient, certainement, il y en avait qui étaient pressés de prendre sa place. Pressés de prendre sa place. On a oublié que plusieurs fois, c'est à cause de lui que le peuple n'a pas été détruit. À cause de lui. Parce qu'il a convaincu Dieu. Il a su parler à Dieu. Mes amis, l'œuvre de Dieu, c'est ça. L'œuvre de Dieu que vous voyez ici, là, c'est l'ingratitude. L'homme est compliqué. L'homme est difficile. On a des enfants qui nous ont bénis hier. Heureusement qu'on a la télévision. Il y a des enfants qui ne juraient que par mon nom. Aujourd'hui, je suis le diable. Je suis Satan. Je suis Satan. J'ai suivi un direct. Je vais revenir sur ça demain. J'ai suivi un direct qu'une femme possédée a fait contre le prophète Ndefo. Je vais revenir sur le direct là demain. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'appartient à personne. Tant qu'un homme de Dieu n'a pas compris qu'il est un serviteur inutile, il est encore loin en arrière. Il est loin en arrière. Parce qu'il y a l'immaturité spirituelle aussi. Il y a l'immaturité spirituelle. Donc cette femme a fait le direct. Elle fait le direct contre le prophète Ndefo. Et elle dit que le prophète Ndefo est un sorcier. Demain, je vais vous faire suivre ça. C'est un sorcier. J'ai suivi le direct là. J'ai mis ça. J'ai suivi du début jusqu'à la fin. Mais